Qu'est-ce que c'est? Ceux qui sont fatigués, lève la main. Hé, hé. Ceux qui sont fatigués, vas-y, lève ta main. Hé, hé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je suis décalquée. C'était dur ce matin. Mets-le au meuble, s'il te plaît. J'étais du matin. Hein, nous sommes lundi, c'est férié. Normalement, personne ne travaille. Bon, il y en a qui travaillent, hein, n'est-ce pas? Je suis contente d'être à la maison, honnêtement. Je suis KO. J'ai juste un peu le seum. Il fait très, très beau. Et on peut pas se baigner, voilà, il fait beau. Mais Evie, c'est très sale, va te laver la main s'il te plaît. Il fait très beau, très chaud et on peut pas se baigner. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous profitez de ce jour de repos. Est-ce que ça annonce un petit peu les barbecues? Après, ils annoncent beaucoup de pluie. Donc j'espère vraiment que ça sera pas le cas dans plus de 15 jours, parce que bah, du coup dans 15 jours nous on part à la mer, mais voilà. Donc du coup je m'apprête à faire le goûter des enfants. Je vais faire de la pomme. Normalement on aurait dû, parce que si vous suivez un petit peu les menus, si vous avez un petit peu suivi du coup les épisodes de Tous en maillot, du coup pendant 5 jours je fais 5 jours de menu que je vous partage, je vous montre les recettes, etc. Mais Evie, arrête s'il te plaît. Oh, ça va être long la journée, je vous jure, ça fait au moins 15 fois que je dis non en 2 minutes et demie. Vincent, il est avec des clients, donc du coup, j'ai pas pu faire de sieste ni rien. Je suis rentrée, il est reparti direct et les enfants étaient déjà levés. Enfin, elles ont pas voulu dormir, tout court. Voilà. Et je vous disais, normalement, on fait des petits encassins pommes chocolat avec des petites amandes. Je vous ai partagé la recette sur TikTok. Oui, ça y est, j'ai créé TikTok et sur Instagram. Mais moi, je vais pas m'en faire aujourd'hui parce que j'ai des remontées acides depuis que je suis partie de l'hôpital et j'ai vraiment ça passe pas, donc je pense que je vais même prendre un IPP pour me protéger, parce que voilà. Écoutez, je leur coupe la pomme, malgré tout. Vous, si vous voulez retrouver la recette, je vous la mets en suggestion dans le petit i. Et puis je vais les faire goûter et voilà. Bon, il est 17h10 exactement. Les filles sont dans le jardin et moi j'arrive pas à émerger. Ah, j'arrive pas à émerger. Je vais essayer de faire le repas pour ce soir, parce qu'à 18h30 j'aimerais bien faire mon sport. Avant le rush, en fait, je pense que ça sera pas mal, mais alors là, j'arrive pas à émerger. Franchement, j'arrive pas, je suis fatiguée. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai la fatigue qui prend le dessus. Et pourtant, j'ai pas mal de choses à faire, mais avec cette petite chose qui ne marche pas à quatre pattes là, qui m'ouvre toutes les portes et qui fait plein de bêtises, c'est pas évident, hein. Mais il faut vraiment que je me mette. Je vais essayer de faire à manger. Pour les filles, ce soir, ça sera salade de pâtes. Et pour moi, c'est lentilles n'importe quoi, pâte corail avec des petites crevettes sauce soja. Et je vais faire une trilogie de légumes avec. Voilà. Bien, bien, bien. Faut que je me motive. Oh, je sais pas vous quand vous êtes dans des moments comme ça là, mais pas simple, pas simple. Et voilà la bonne petite salade de pâtes. Donc du coup j'ai mis des pâtes tricolores, tomates, j'ai mis des bouts de cantal et j'ai découpé un poulet, une cuisse de poulet qui est restée, et je l'ai mis à l'intérieur, comme ça leur fera un repas bien complet. Maintenant je vais y mettre au frais jusqu'à ce qu'on mange. Bon, je suis en train de faire ma gamelle du coup aussi pour ce soir, donc j'ai pris la poêlée de 3 légumes bon duel là, comme ça. Normalement je vous l'avais dit dans les menus qu'il fallait en prendre. Du coup je suis en train d'en faire d'autres parce que Mélie en veut. Donc elle voulait, en plus de la salade de pâtes, elle veut des légumes. Donc écoutez, je vais pas dire non. On a la petite soupe pour bébé Raph qui est prête. On a sa purée pour demain. J'arrive. On a donc ça c'est pour moi demain midi. On a les petites pâtes corail. Je sais pas si vous voyez bien. Et alors elles sont un peu collantes. Hein. On verra bien au niveau du goût. Mais je m'attendais à ce qu'elles soient vraiment couleur corail, mais là elles sont pas du tout couleur corail. Et là, du coup, j'ai mis du coup les petits légumes et je vais me faire mes petites crevettes avec. Bon, du coup, j'ai fait revenir des crevettes à l'ail et j'ai mis de l'oignon. Vous savez, comment on appelle ça? Lyophilisé? C'est comme ça qu'on dit? Tu sais, les oignons, là, ils sont lyophilisés? Quoi? Quels oignons? Les oignons, tu sais, quand ils sont dans les...
Lyophilisé. C'est ça, je crois. Voilà. Et du coup, je vais rajouter du coup un petit peu de sauce soja à l'intérieur. Voilà. Et je vais mélanger du coup avec mes légumes et tout. Bon, je viens de nettoyer toute la salle de bain qui était dans un état. Il me reste que le miroir à faire où j'ai 1 million de crash de dentifrice sur le miroir. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, le lavabo, je suis obligée de le faire tous les jours. Tous les jours, parce que les enfants ne savent pas rincer leur petit crachat de dentifrice, n'est-ce pas? Et franchement, c'est une catastrophe. Moi, il n'y a rien de tel, je ne supporte pas. De toute façon, je ne toque rien que je supporte qu'il soit sale. Mais alors moi, les éviers sales, j'ai vraiment, vraiment du mal. Voilà. Et du coup, bah, je me suis occupée un peu du linge aussi. Et en m'occupant du linge, et bah, je me suis rendu compte que la buanderie était, ma foi, dans un état aussi un petit peu... voilà. En 3-4 jours, on n'a rien fait, vu que les chiens, bah, c'est là où ils dorment. C'était pas ouf. Donc du coup, je me suis mise à nettoyer la buanderie avec le silibang et tout. Et j'ai fait à la main. Genre aspirer, puis j'ai tout fait à la main. J'ai fait la poussière et tout. J'ai tout rangé parce que c'était un foin. Bon, cette pièce, de toute façon, était un foin. Les buanderies, tout ce qui est comme ça, c'est du foin à longueur de journée. Mais là, du coup, ça y a fait du bien. Je vais couper les étiquettes parce que j'ai rien. Oh, j'aurais dû filmer encore plus près. J'ai rien coupé des étiquettes là, de tout ce que j'avais acheté de Tupperware et tout. Faut vraiment que je le fasse. Donc je vais couper les étiquettes pour pouvoir lancer une machine de ça demain. Voilà, comme ça sera fait. Je voulais faire mon sport. Donc je sais pas. Parce qu'en fait, je veux tester une nouvelle. Enfin, je veux tester un. Pendant 3 semaines là, il y a des lives. De Caro, je sais pas si vous la connaissez, et j'ai jamais testé ces trucs à elle, et j'ai envie de tester un peu, voir, vu que c'est gratuit et tout, que c'est en live, j'ai envie de tester ces lives, donc j'attends que ça soit en replay, mais elle m'a dit, la meuf, ouais, on discute, elle a marqué du coup que les replays seraient disponibles que demain, donc j'ai bien envie de faire son truc à elle, donc ça m'embête un peu, alors soit je fais une séance d'Alexia, mais il est 20h47, temps de faire mon sport, une bonne grosse demi-heure. Temps de faire le montage, il faut bien 1 heure, exportation, machin, ci, machin, ça. Que je prenne ma douche, etc. Je suis pas couchée avant minuit. Est-ce que c'est judicieux, en sachant que j'ai pas fait de sieste, que demain je me relève à 4h30, que je me couche à minuit, hein, et que demain soir, en plus de ça, j'ai pole dance. Et la dernière fois, souvenez-vous, j'avais fait un Alexia Challenge le lundi. Et ça a été vraiment très, très, très compliqué le lendemain à la pole dance. J'avais énormément mal au bras. Donc je me dis... Est-ce que c'est judicieux? Je ne pense pas. Je pense que demain, je pense que là, je vais pas faire sport aujourd'hui. Tant pis, ça m'embête parce que du coup, j'en ai pas fait samedi, dimanche, lundi. Donc ça m'embête un petit peu. Mais je vais pas en faire. Je vais tout simplement. Après, vous allez me dire, t'aurais pu courir maintenant. Oui, aussi. Mais là, je vais privilégier mon sommeil. Et de toute façon, un corps fatigué, c'est pas non plus ouf hein, pour faire du sport. Je vais privilégier mon sommeil et tout ce qu'il me reste à faire. Et demain, j'irai à la pole dance. Et après, mercredi, jeudi, je suis en repos. Donc là, pas d'excuses. Je calerai des séances de sport. Vendredi, je suis du soir. Samedi, je suis du soir. Dimanche, je suis du soir. Donc pas d'excuses. Moi, quand on est du soir, pour moi, je n'ai pas d'excuses. Il faut juste apprendre à délaisser le reste. Et du coup, ça me fera 4 jours. Et pendant les 4 jours, je bombarderai sur le sport. Voilà, je vais faire ça parce que là... voilà pour tout ça. Écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que du coup je vais monter tout ce que j'ai pris tout à l'heure. Du coup je vous refais, attendez je vous pose là, je vous fais juste revoir un petit peu les menus. Alors normalement sur les 5 jours là où vous me suivez, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de faire le petit groupe. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram. Je vais checker tout ça demain matin pour que je fasse, pour que je crée le petit groupe. Alors il n'y en a pas beaucoup, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre sur les menus. Vous m'avez écrit, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent participer au petit groupe d'échange, d'entraide, voilà, où on poste les photos, les stories, j'ai fait mon sport, ici et ça, sur 5 jours. Hein, c'est pas un groupe qui va rester, à part si vous voulez le garder après, moi je m'en fiche. Mais si vous voulez, ouais, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram et tout. Et voilà, donc du coup, mon repas de ce soir, je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, il faut que je bois un coup. Attendez, je bois un coup parce que là, j'ai la salive hyper sèche. Ça me va mieux. Normalement, demain midi, c'est purée de carottes, poulet, reste du poulet. Sauf que le poulet, il y avait 4 cuisses. Les filles en ont mangé à midi. Je leur ai mis ma cuisse, en fait, ce soir, dans leur salade de pâtes. Pourquoi ? Parce que je trouve que j'avais assez de crevettes dans ma préparation.
Donc après, c'est libre à vous. Mais normalement, demain midi, c'est purée de carottes avec le reste de carottes et le reste du poulet. Voilà, on est en mode reste normalement demain midi. Mais moi, j'ai fait donc le repas de ce soir qui est des petites crevettes comme ceci. Avec, donc du coup, nous avons du chou-fleur, du brocoli et quelques petits trucs de carottes. Et j'ai à peine de... Oh, j'ai des cernes, je regarde le retour là. J'ai à peine de pâtes corail, voilà, avec des crevettes. Et en plus, vu que je fais pas mes séances de sport, voilà, mais j'ai pas ouf, j'ai pas faim de fifou. Je vous dis, j'ai eu pas mal de remontées acides et tout, donc j'ai pas. Alors, j'ai bien mangé ce week-end. Hein, donc là, la nourriture, je vous ai dit, je l'ai un peu là aussi. Hein, donc voilà. Et du coup, pour demain midi, bah, je me suis fait exactement la même chose. Voilà. Comme ça, demain midi, j'ai les légumes, j'ai un peu de féculents, j'ai les carottes, ça m'ira très bien. Vincent, du coup, lui, avec le reste de carottes, il s'est fait une espèce de farce avec le poulet et il va se faire des samoussas. Il a envie de samoussa. Je ne vais pas lui dire non. Et puis voilà, là, je sens que je vais être en période bientôt de règles parce que cette semaine, je sens que j'ai la dalle. Donc, il va falloir que je me fasse des plus grosses assiettes, mais de choses saines parce que là, j'ai envie de manger en ce moment. Donc, voilà, je voulais faire un gâteau. Pour les filles, pour que demain matin elles puissent déjeuner, je pense que je vais faire un petit marbré. Je vais voir parce qu'en vrai, elles ont rien et ça m'embête un peu. En plus, à marbré, c'est rien à faire. Donc, je me dis, je peux leur faire un marbré pendant que je finis de manger et tout. Ça cuit et au moins, elles ont ça demain. Mais est-ce que je vais être assez forte pour ne pas moi succomber au marbré? Ça va être une autre histoire. Je vais voir. Franchement, en vrai, je suis fatiguée. Donc, écoutez, j'ai chaud en son temps. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end de 3 jours. Parce que du coup, ça faisait un week-end de 3 jours, voire plus pour certains, ça se trouve. J'espère que vous avez profité du beau temps. Là, j'ai trop hâte que tout soit terminé dehors et qu'on puisse vraiment profiter. Là, je vais attendre les soldes et en juillet, je pense que je vais acheter une table et des chaises de jardin parce que. Ou alors faut qu'on sorte l'ancienne verte toute pourrave. Parce que là, vu qu'on a tout misé sur la piscine, la terrasse et tout, tout ce qui est salon de jardin, ce sera l'année prochaine. Là, niveau budget, on l'a pas. Surtout que là, au mois de juin, dans 15 jours, on part en vacances. Donc ça va faire quand même un petit billet aussi. Donc je me tâtonne. Faudra que je regarde les sols, s'il y a une bonne occasion ou pas. Écoutez, on va voir. Bref, allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à interagir sous cette vidéo. Est-ce que vous avez commencé les menus? Dites-moi si vous me suivez ou pas. Dites-moi voilà, si vous êtes motivé comme jamais, si vous avez fait votre sport, si vous avez été plus courageuse que moi aujourd'hui. Et si vous l'êtes, eh ben, je suis fière de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à demain dans une toute autre vidéo. Ciao! Tu veux qu'on en parle? T'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde. Guillaume, allez. Dis-moi ce qui va pas. Je sortirai jamais avec une fille.